Bonjour chers abonnés de la chaîne Chasse Professionnelle et passionnés de chasse partout. Notre voyage aujourd'hui avec la chasse aux singes. L'habileté du chasseur a attrapé le singe du haut de l'arbre et à une distance de 308 mètres. Dans la scène suivante, certains fruits sont placés pour attirer les proies, et lorsque l'animal s'approche, il y a une opportunité de sniper. La force de la flèche peut pénétrer la cible et être exécutée de l'autre côté. Les singes varient en taille, du premier singe nain, qui mesure 14 à 16 cm de long et pèse 120 à 140 grammes. Au singe mandrille, dont le mâle atteint 1 mètre de long et pèse 35 kg. Certains singes vivent dans les arbres et certains vivent dans la savane et se nourrissent de fruits, de feuilles, de céréales, de fleurs, d'œufs et même de petits animaux. Les singes du Nouveau Monde ont une queue mutée de telle manière qu'ils peuvent s'accrocher aux arbres. Les singes de l'Ancien Monde n'ont pas cette propriété ou n'ont pas de queue du tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche.